Bienvenue à cette nouvelle édition du Hit Goal. Vous le savez, le Hit Goal, c'est le seul classement valorisant les talents des Lions et Non-Tables dans la diaspora et en équipe nationale à travers les 5 plus beaux buts marqués au cours de cette saison. Nous commençons avec Jean de Macoun, le petit milieu du Stade Rennais qui perd 2 places malgré ce super coup de casque réalisé en 9e journée de Ligue 1 française. Le sergent a permis à son club de s'imposer face à Montpellier d'Henri Bétimo, 2-1. Jean-Marie Dongou, le jeune attaquant du FC Barcelone B, fait son comeback à la 4e position grâce à ce déboulé côté gauche conclu avec une magnifique frappe du pied gauche. Le jeune goléador camerounais en a profité pour réaliser un triplé face à l'Olympique de Marseille en Next-Gen Champions League, score final 4-1 en faveur des jeunes Blaugrana. Barcelonais à un autre, Alexandre Song a perdu une place et se loge désormais au 3e box du Hit Goal avec cette reprise à ras du sol sur une passe de Lionel Messi alors qu'il jouait la 12e journée de la Liga espagnole face au Real Saragosse. Score final 3-1 en faveur des Catalans. Il s'agit là du premier but d'Alex en terre ibérique. Samuel Eto'o fait également son comeback dans ce classement grâce à cette performance réalisée en Ligue Europa face à l'Udinese. Samuel Eto'o, grâce à ce but, permet à son équipe de s'imposer sur le score de 2-0. Une victoire qui assure une qualification inédite dans l'histoire de l'Anzi pour les 16e de finale de la Ligue Europa. En récapitulatif, Macoun est 5e. Jean-Marie Dongou Tafak réalise un comeback à la 4e position. Légère régression pour Alex qui perd une place, descend au 3e box. Samuel Eto'o s'installe au pied du fauteuil. Alors, d'après vous, qui est leader? Jacques Zoua d'Algarie conserve le premier rang du Hit Goal grâce à ce doublé réalisé en Schweizer Cup de Suisse face à la modeste sélection de 2e division Kiasor. Il s'agit du 2e doublé de Jacques Zoua d'Algarie en Coupe de Suisse, ce qui fait de lui le meilleur buteur de la compétition. Merci de nous faire confiance. Pour nous contacter, c'est simple. Rendez-vous sur notre page Facebook Dimanche des Lions et votez pour votre but favori. Vous le savez depuis l'année dernière, vous pouvez également nous rejoindre grâce à Facebook Mobile. Pour cette saison, l'innovation, c'est l'application Opéra Mini. Il vous suffit d'enregistrer un signet Dimanche des Lions sur votre téléphone, smartphone et tablette, écrire sur notre mur pendant l'émission et votre message sera diffusé en direct. Plus besoin de le rappeler, Dimanche des Lions est la seule émission à bénéficier de cette technologie en Afrique francophone. Quant à nous, on se dit rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro du Hit Goal.